Yo, what's up, c'est Elite et on est sur GTA V. Et donc, vu que les abonnés m'ont beaucoup demandé cette vidéo, donc c'est-à-dire une vidéo où j'achèterai des yachts, des appartements, les nouveaux appartements personnalisables, des derniers DLC, le moment est venu étant donné que, comme vous le voyez à l'écran, donc j'ai eu mon lobby sur GTA V, voilà plus de 10 milliards. Donc gros merci à l'abonné, au perroquet Pinguinou, donc qui s'est proposé pour faire ce lobby. Gros merci à toi, car grâce à lui, on va pouvoir faire beaucoup de vidéos. Et donc, comme je vous le disais, on est là dans cette vidéo, donc pour acheter un appartement, mon premier appartement personnalisable sur GTA. Donc j'espère que ça va être lourd, car moi j'attendais ce moment depuis bien longtemps. Personnaliser des appartements, ça faisait plusieurs fois, plusieurs mises à jour qu'on en parlait. Donc je pense que ça va être lourd, donc à tout de suite. Donc là, pour une fois les gars, le commentaire il est en direct. Donc on va aller sur Dynasty 8 les gars, et on va choisir notre appartement. Donc j'hésite encore un peu là, je sais pas lequel prendre. Bon, avec 10 milliards je pense que je vais me faire plaisir. Allez, on prend le 1 million. Celui à 1 million, 100 000 dollars, donc le Eclipse Tower Penthouse 3. Donc choisir l'intérieur. Ouais, alors. C'est une vidéo toute con les gars, mais vous me l'avez beaucoup demandé. Bon, le moderne il est pas mal. J'avoue que le petit carrelage là, avec les reflets, c'est plutôt pas mal. Le sombre, ouais c'est classe, ils sont tous classe en fait. Le coloré, ouais c'est un peu trop pour moi j'ai l'impression. Le élégant, un peu, ouais. Voilà, le monochrome les gars, il claque mais il fait un peu trop déjà... Garage en fait, il est trop... On croirait un peu le garage mais dans l'appartement. En turquoise. Ah c'est stylé. Hein. Je ne sais pas les gars. Je ne sais pas. Dites-moi les gars dans les commentaires quels appartements vous auriez choisi, quelle personnalisation vous auriez pris. Parce que ça m'intéresse beaucoup. Je ne sais pas. Hein. J'hésite entre le sombre. Allez les gars, vous savez quoi, prendre le sombre, acheter cette propriété. On a le vide. Et merci de racheter cette propriété. Retour à la carte. Ouais 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 les gars. Allez c'est bon. On a acheté l'appartement. Ça va être lourd là les gars. Ça va être très très lourd. Il ne pouvait pas rentrer par le dessus. Allez. On va à l'appartement. Donc le penthouse c'est appartement à vendre. Wesh pourquoi j'ai un appartement à vendre. Allez non ok ouais. Je viens de capter seulement. Bon. On va monter tout là-haut dans la forêt les gars. Allez on va chercher l'appartement. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous plaira parce que ça fait... Vous étiez énormément à me la demander sur Skype, Twitter et tout. Donc j'espère que votre vœu qui est exaucé vous plaira. On va aller voir ce que ça donne hein, parce que ça a l'air quand même plutôt pas mal. Hein. Ouais, donc ça c'est un véhicule que le modder m'a mis. Oh là, il est sympa. Oh là, il m'a rempli le garage un petit peu. Et il est plutôt sympa cet appartement. Bon, normalement, si je me trompe pas, on a accès aux apparts. Ouais ouais ouais. Voilà les gars. Et là le bon moment il est arrivé. Donc on a l'Eclipse Tower numéro 3 au tout début. Donc l'appartement que le modder m'a mis de base pour mettre les véhicules modés. Et là on va prendre l'Eclipse Tower Penthouse 3. Est-ce que vous êtes prêts? C'est parti. Voilà les gars, on rentre dedans. Ah là là, ça va être lourd, je le sens. Ça va être lourd. Ça a l'air pas mal en tout cas. Bon déjà les graphismes PS4 c'est déjà bien. C'est déjà très très bien. Ok, waouh, c'est pas mal ouais. Toujours les petits cadres qu'on peut retrouver là. Et il est beau gosse les gars, au fait mon personnage. Il est beau gosse ou il est pas beau gosse? Petit costard et tout. Ah là là. Bon petit mur rouge. Voilà déjà. Voilà là déjà on voit l'originalité hein, qu'on n'avait pas dès le départ. Plutôt sympa ouais, plutôt sympa. Ah ça va même jusqu'aux finitions des fleurs et tout. Je suis perdu dans cet appart. Allez la cuisine. La cuisine les gars. Ah vous savez quoi, je vais mettre en première personne. Voilà parce que c'est juste ouf les finitions. Ils sont allés jusqu'à faire les finitions dans les fours. Les plaques de cuisson, le ventilateur du fond, les gars, tout est bien fait. Tout est très très bien fait, même la hotte, elle est bien faite, le plan de travail, la plaque de cuisson, la plaque à induction, les gars, tout est bien fait, c'est énorme. Ouais, ouais, c'est vraiment pas mal, hein. Ça me plaît beaucoup, moi. Dites-moi en commentaire, les gars, ce que vous pensez de cet appartement, et dites-moi surtout quel appartement vous avez pris pour vous, pour votre part, car ça m'intéresse beaucoup. Mais voilà, ouais, je permets, moi, c'est sympa. Il y a les livres et tout. Ouais non franchement c'est une belle mise à jour hein. Enfin ça fait déjà longtemps qu'elle est faite. Mais vu que vous m'avez demandé cette vidéo, je rachète des trucs pour vous les faire en vidéo. Ouais plutôt stylé hein, stylé de ouf même. Ouais donc là on voit encore la vue sur la cuisine. Là on a la grosse télé. D'ailleurs c'est placement de produit, placement de produit. C'est quoi le nom de la télé? Schmitt & Price, ouais. Ouais bon. Un peu placement de produit quand même tout ça hein. Bon on a vu donc là la petite vue bien sûr. On va se mettre en première personne hein, je pense. Voilà. La vue sur Los Santos, les gars.
Los Santos. Magnifique. Franchement, les gars, c'est magnifique. Allez, on va monter en haut parce qu'il y a des escaliers, il y a des plantes, il y a des trucs partout dans cet appart, c'est un truc de fou. Et rien que le fait, les gars, qu'il y a un deuxième étage, ça c'est une révolution. Et donc, ah, j'en étais sûr, ouais, c'était bien, bien ce qui me semblait. Comme j'avais vu, il y a aussi. Voilà, là, là. Ça c'est con par contre qu'on puisse pas y accéder. Ah ouais, ça c'est con ça. Petit panier en osier, aïe aïe aïe, il représente. Bon, le lit par contre qui est au milieu, c'est juste hyper stylé. Hein. Ah ça c'est stylé de ouf, ça c'est un truc de ouf. Pour vous mettre au lit. Ouais bon, on va peut-être pas se coucher. Il y a qu'un. Les gars, ça m'intrigue ça, c'est quoi? Attendez, on va sortir le Snapmatic, c'est quoi qui est en dessous du lit? Oui, c'est ce genre de truc qui m'intrigue moi. Là je tourne la tête, ouais. Ouais, c'est un truc qui est écrit en anglais les gars, mais je suis sûr que ça concerne un easter egg, ça se trouve. Je suis sûr ce petit manuel là, c'est peut-être bien un easter egg. Bon, le dressing classique, mais plutôt sympa. Ouais, très sympa même. Hein. Donc ça c'est par où je suis rentré? Non, la salle de bain. Ok, bon, salle de bain. Rien de bien. On reste dans le classique hein, quand même. Mais très sympa aussi. Et donc ouais, le lit. Plutôt stylé. Même des petites bougies et tout, ouais, ils avaient préparé. Bon, c'est juste con qu'on puisse pas accéder au balcon quand même. Mais bon, dans l'ensemble, c'est quand même gros. C'est quand même très très lourd à un niveau pour un appart. Voilà. On va aller voir les une ou deux portes qu'on n'avait pas vues. Donc on est allé à l'entrée, on est allé là, on est allé partout. Elle est ouf les gars cette cuisine. Elle est ouf. Les couleurs sont très très bien assemblées. Ah et le bureau. Et le bureau donc qui ressemble exactement à tous les autres. Peut-être à part au niveau un peu du plan de travail, c'est un peu plus clair je trouve. Enfin du moins c'est que mes souvenirs, mais ça me paraît un peu plus clair. Là on a le tableau des braquages. Ouais, pas mal. Hein. Pas mal, pas mal. Franchement les gars, ça m'impressionne là, je perds les mots, c'est pour ça j'ai du mal, en plus c'est rare que je fasse des commentaires en direct, bien souvent j'enregistre et je fais commentaires en différé, mais là voilà les gars, c'est vraiment très très lourd et ça me plaît vraiment beaucoup cet appartement, voilà, comme je vous le disais tout à l'heure, dites-moi en commentaire si mon appartement vous plaît, si vous voulez des lobbies, vous contactez Pinguinou, vous me demandez, de toute façon je vous mettrai en relation avec lui, dites-moi quel appartement vous avez acheté les perroquets, ça me plaît énormément de savoir tout ce que vous faites sur GTA. Et bref les gars, j'espère que vous avez kiffé. Après autant de demandes pour cette vidéo, vous pouvez lâcher votre pouce bleu. Gros gros objectif, au moins 50 pouces like. Enfin pouce bleu, désolé, sur cette vidéo. Pourquoi pas un commentaire, un partage. Et si tu veux plein d'autres vidéos comme celle-ci sur GTA avec beaucoup de délire de fun, bientôt il y a les courses what the fuck et les affrontements qui arrivent. Abonne-toi car on va être bientôt plus de 4000. C'est juste énorme. Et moi je te dis à très bientôt. Ciao.